la dérive lorsque nous sommes amarrés contre le quai. Allez, c'est parti Bonjour, nous sommes maintenant prêts à partir, c'est-à-dire à appareiller. Mais comment faire lorsque du vent ou du courant pousse notre bateau et l'empêche de partir Il est bien sûr hors de question de pousser le bateau avec la gaffe ou encore moins de frotter contre le quai. Ou d'autres navires. Voyons ensemble comment utiliser nos amarres pour contrer les obstacles et anticiper la dérive lorsque nous sommes amarrés contre le quai. Allez, c'est parti. Hop, allez, on va démarrer. Euh... On va démarrer ce soir en petit comité, mais c'est bien parce qu'il y a aussi une, une bonne partie des gens qui sont aussi euh, connectés en ligne. donc euh, c'est aussi un Bonjour, Bonjour à ceux qui sont, euh, qui sont connectés en ligne avec nous. donc Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la voile. Oui. Euh, chez Trivore, quand on s'est posé la question un peu de l'expérience qu'on vivait chez la voile, on s'est un peu fait la remarque que, euh, nous on intervenait qu'à un moment c'est où on a envie de s'équiper mais avant de s'équiper ben, il faut apprendre la voile il faut trouver un bateau trouver des équipiers ouais. et, euh, et, et dans, dans ce parcours là ben, Ocean Skills faisait sens aussi pour nous parce que ça vous, a, vous, a tri... enfin, vous, vous, vous traitiez d'un sujet hyper important pour l'accessibilité à la voile et, et vous le traitiez de manière digitale mm. c'est aussi quelque chose qui nous a fait euh, qui nous a fait réagir avec, euh, avec Baptiste quand on a commencé à échanger sur le sujet euh, parce que le, le digital c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour nous et, euh, et je trouve que cette manière de l'aborder nous bouscule oui. notre manière de, de voir les choses et c'est intéressant c'est aussi pour ça qu'on a envie de le partager avec vous tous aujourd'hui euh, le Selling Lab c'est aussi ce, ce type d'intervention hein, c'est aussi de, de nous bousculer sur les modes d'apprentissage mmh. les modes de fonctionnement de, de la voie les modes de pratique qui changent je pense qu'il faut qu'on ait, on ait conscience de ça nous on a besoin de ça pour pour demain concevoir des produits qui correspondent mieux aux usages et, euh, et les usages changent et le digital prend, euh, prend ouais. sa place. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, bah, je vais vous laisser la parole. Ouais, bah, euh... nous, on est très content d'être là en tout cas et d'être au Céline Lab. Et euh, je vais rajouter un truc sur ce que je disais, c'est que il faut d'abord euh, pratiquer. Euh, il faut s'équiper avant de pratiquer, mais en fait, il euh, y a aussi l'inverse. C'est quand tu pratiques, tu, tu te rends compte que t'es pas assez bien équipé et que va avoir des équipements complémentaires. Donc c'est juste euh, la boucle, mais c'est important. En fait. on, on le vit nous-mêmes. Hein, donc, euh, euh, et bah, allez, c'est parti. Donc du coup pour euh, pour commencer, donc euh, bah, déjà, on va se présenter. Donc, euh, Maël, notre skipper, hein, celui que vous verrez sur toutes les vidéos. Euh, Hugo, euh, donc le tourneur droneur, donc euh, caméra au point. Euh, Drone, etc. Et nous, ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est un peu euh, la raison d'être d'Océan Keys. Et évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est de vous partager une vidéo euh, au niveau apprentissage et de vous montrer euh, les conséquences en fait, qu'il y a derrière et, euh, et les prérequis nécessaires pour construire simplement une seule vidéo. Euh, donc, Océans Keys, c'est euh, donc, dit, tu fais avant. Ouais. donc voilà, donc on a on a un slogan qu'on qu a déjà presque évoqué euh, au travers de la dernière l'intervention de tout à l'heure. Notre slogan c'est que si on mélange la théorie euh, et la pratique, eh bien on développe de vraies compétences durables. Donc on l'a nous, on l'a appelé compétence au carré. Et donc vous voyez que il y, y a certaines personnes qui ont dit mais on n'apprend pas à faire de la voile en effet euh, euh, sur son PC ou sur son smartphone. En effet, et je confirme à 200%, c'est bien parce qu'on va aller mixer. Euh, la théorie et la pratique, qu'on va avoir des compétences euh, réelles, etc. Donc, on va travailler avec les écoles, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie euh, slogan, euh, donc c'est facile à comprendre. Et puis derrière, donc, euh, hop. Voilà, donc nous, en fait, on a deux, deux raisons d'être. Euh, au Séance Kids, on a créé, donc, comme vous voyez, euh, cette idée d'assistant pédagogique. Et ce qui est très important, comme vous voyez à l'écran, c'est qu'on a euh, la possibilité aujourd'hui d'être consulté sur l'ensemble des ressources, sur son PC, donc à la maison, on va dire ça comme ça, mais aussi sur son smartphone. Euh, et là, on a cette logique de avant, pendant et après une pratique. Avant, on se prépare, pendant. On peut regarder de nouveau les vidéos sur son bateau, même si on est en outurier offline. Donc, ça, c'est une de nos euh, volontés euh, qu'on a affichées dès le début. Euh, et après, c'est asseoir et donc revoir ses compétences et avec les fiches de synthèse qu'on vous expliquera tout à l'heure. Donc, vous voyez, entre la pratique, la théorie, euh, la théorie et la pratique, pardon, et les compétences développées, banque de ressources avec euh, énormément de vidéos. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Euh, mais on a aussi la partie pratique. Euh, Vas-y. Euh, Partie, donc ça, c'est la partie vidéo. Donc on a des centaines de vidéos et vous avez vu, on a différents univers. Donc monocoque, euh, qui est aujourd'hui le plus consommé chez nous. Hein, 62% de nos clients euh, achètent des licences euh, pour se former sur monocoque. 25% sur le catamaran qui commence à monter de plus en plus. D'ailleurs, ça reflète un peu le marché finalement et le reste sur, sur moteur. Donc, vous voyez, on ne va pas les détailler, mais il y a des centaines et des centaines de ressources. Et donc, on a encore tourné d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on était encore en mer pour tourner les dernières vidéos pour compléter encore ces, ces contenus. Et donc, à fin de cette année, on aura un, un contenu que personne aujourd'hui n'a jamais réalisé. Donc, ce qui est disruptif. Ce qui est disruptif, vas s'il te plaît, ce qui est disruptif, c'est qu'on a voulu aussi euh, boucler la boucle, un peu comme pour euh, un équipementier euh, comme Tribord. c'est que nous, on a, on a créé ces ⁇ j'apprends, je mets en pratique et je réalise mes rêves ⁇ c'est hyper important en fait que on ait la capacité ou la possibilité, pardon, de, de proposer à nos clients d'aller mettre donc leurs rêves en, en, en pratique, enfin, en réalité. Et donc on a la possibilité de réserver un stage pratique si on est avec une école donc, affiliée FFV. Donc on a plusieurs écoles aujourd'hui qui sont partenaires avec Ocean Skis, mais aussi louer un bateau quand on a les compétences nécessaires. Et donc on a un partenariat aujourd'hui avec Click and Bot. Ensuite, donc, euh, comment, euh, comment on fait ça? Donc, euh, je vais aller vite sur le processus, mais vous allez voir, vous allez comprendre que pour créer une vidéo, en fait, c'est un travail de fou. Euh, et ce qu'on voulait partager, c'est juste ce, ce travail de fou préparatoire. Donc tu peux y aller. On a, on a ce processus qu'on qu on, qu on met en œuvre tout le temps. Euh, on a la partie création du programme. Donc euh, un programme, ça paraît simple, mais en fait, c'est très compliqué. On est, on est en plus aligné au programme de la FFV, donc on a des niveaux niveau 1 à niveau 4. Donc ça, c'est la partie programme, donc, euh, avec évidemment un, des compétences crescendo, hein, qui vont de plus en plus loin. La partie écriture de script, on met des mois à écrire tout l'ensemble des scripts qu'on qu euh, qu a sur notre banque de ressources. On a après la partie préparation-tournage, donc on fait appel à des bénévoles, on organise tout ça, donc ça prend du temps. On fait, on fait le tournage, on fait le montage, on fait ce qu'on appelle après la partie euh, illustration. C'est très compliqué aussi, donc là, on, a, on, a, on injecte du, euh, euh, des contenus supplémentaires au-dessus des images. Et enfin, l'exportation pour la mise en ligne. Et tout ça donc pour une vidéo. Donc euh, imaginez pour 300, donc on prend des gros paquets et on part en mer quelquefois deux semaines, voire un peu plus, et on est non-stop en train de tourner pendant deux semaines sur des régions euh, en Méditerranée. On a tourné en Sardaigne, on a tourné en Bretagne, euh, et on essaye de, de mixer un peu les différents univers. Voilà, donc je vais laisser la, la, la parole donc, à Hugo pour la partie euh, vidéo, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, vous allez comprendre qu'une vidéo, finalement, la, la grande difficulté, c'est ce que va expliquer euh, Hugo, euh, c'est qu'on a une idée, mais il faut la transformer en image. Voilà, c'est ce que Hugo va vous expliquer. Et après, on passe à la vidéo. Donc, ouais, moi je vais vous parler un petit peu de concrètement comment ça se passe du coup au niveau du tournage. En fait, on part d'un écrit et on va donc réaliser une, une vidéo. Euh, notre document de travail, c'est euh, ce qu'on voit un là petit là peu là-haut euh, à l'écran. C'est euh, ce que Maël écrit en, fait, euh, en amont euh, avant l'arrivée sur le tournage. Et euh, on doit transformer en fait, cet écrit en une vidéo donc, qui va euh, se terminer en, en tuto pédagogique. Euh, et donc, euh, pour ça, donc, euh, on arrive sur notre lieu de tournage. On est là pour deux semaines en général. On se lance comme défi en général de faire à peu près quatre tutos par, par jour. Et donc, on doit se réunir, euh, Maël, Franck et moi-même, euh, le matin, pour préparer du ces réalisations. Très tôt. <laughs> finir très tard. Voilà. C'est important qu'on soit tous les trois, parce qu'en fait, on, on co-crée tous les trois. En fait. euh, donc, ouais. Maël, pour l'aspect euh, pédagogique, euh, c'est lui l'auteur de, des tutos. Donc, euh, il a besoin d'être là pour nous expliquer un petit peu qu est ce qu'il avait en tête. Euh, Franck, pour euh, la réalisation, c'est le réalisateur. C'est lui qui aura le document de travail après en main quand on sera sur le bateau en train de filmer. Euh, et pour l'aspect un peu global et euh, cohérence euh, globale. Et moi, pour l'aspect technique vidéo, euh, avec mes, mes contraintes, du coup, ouais, euh, très très vidéo. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Bah, on peux prend aller, le texte. Euh... Comment Non, non, je dis à. Euh... On prend le texte, ouais voilà et on non c'était ouais, euh, on prend le texte et on va le découper. En fait, on fait un trait de découpage et pour chaque euh, bout de phrase, chaque mot, chaque verbe, on va identifier en fait qu'est-ce qu'on veut voir à l'image. Donc comment on passe de texte à la vidéo, c'est ça C'est en fait tous les trois on, on se met devant le document, on se dit bah là par rapport à cette phrase euh, par rapport à la zone de navigation, bah, on veut être là. Euh, par rapport à, à, à ce qu'on veut voir, bah, c'est mieux d'avoir un drone, c'est mieux d'avoir une caméra au point, c'est mieux d'être là, c'est mieux d'être comme si, prêt au large, au travers. Donc on découpe tout ça et ça fait du coup une sorte de storyboard et on part avec ça en mer pour tourner. Et euh, on a ce document de travail que Franck a en main et moi je me déplace, je cours sur le bateau et, euh, et on filme Mal qui est à la barre en général avec les équipiers. Voilà. C'est pour passer de l'écrit à, à la vidéo. Et puis euh, avec cette contrainte, euh, vraiment, euh, ces trois contraintes principales qu'on a en tête tout le temps, c'est d'avoir une vidéo très claire. On veut que ce soit facile à comprendre. Euh, donc avec des gestes amples, on fait attention à tout ça, que le geste soit lent, ample, très visuel, avec des cadrages très larges, simples. Euh, on veut la précision, donc on rajoute des illustrations comme des flèches, euh, la flèche du vent en haut, la, les flèches de direction, etc., euh, des schémas. Et on veut que ce soit agréable, donc euh, on veut que ce soit euh, avec un rythme, surtout au montage, euh, agréable à regarder, donc euh, suffisamment rapide, euh, avec aussi de la musique, euh, voilà, de la voix off, de la voix euh, parlée, euh, etc. Euh, voilà, pour le confort de visualisation. Et notre petite recette, voilà, donc elle est simple. Euh, J'ai envie de dire qu'il faut déjà un bon bateau, euh, donc que ce soit un bateau moteur, un voilier ou un catamaran, euh, ça c'est la base. On a une, une équipe là, que vous avez devant vous... Euh, on est tous très passionnés, on adore euh, ce qu'on fait, on connaît très bien l'environnement euh, euh, nautique. On a des équipiers et ça euh, on a envie de les remercier aussi parce qu'ils euh, sont super importants. Et on a d'ailleurs Jade qui est là et qui a participé aussi au tournage et qui a été équipée avec nous et donc euh, merci. Euh, puis les moments de détente parce qu'on travaille quand même beaucoup sur 15 jours, euh, 4 scripts par jour, euh, voire 6. On a déjà fait 6 scripts dans une même journée donc 6 vidéos dans une même journée. Eh ben, il faut des moments aussi de détente, donc le soir on s'amuse un peu, donc ça c'est cool. Et euh, il faut des outils, il faut plusieurs caméras, euh, on a des drones, on a des caméras, euh, caméras au point et un micro d'enregistrement de pour euh, tout ce qui est enregistrement euh, voix off. Voilà. Euh, on a une petite galerie photo juste après. Voilà, pour vous montrer un peu les backstage, les, les coulisses et un peu du tournage. Donc caméra au point, drone, drone, voilà, euh, donc là on vous voit tous les trois. La petite histoire qui est rigolote, c'est ben, quand même le drone parce que. On l'envoie dans des conditions un petit peu euh, dantesques, des fois, euh, on est sur un monocoque, ça agite, il y a 25 nœuds, il y a des vagues, on l'envoie. Euh, Maël est à la barre, il essaie de, de gérer le bateau, il nous dit, euh, là, il faut pas l'envoyer, mais bon, nous, on veut l'envoyer, on l'envoie, on... euh, voilà. Et après, le pire, c'est la réception, quoi. La réception, parce que, bah, évidemment, le euh, bateau, il avance, la houle, elle fait monter, elle fait descendre, euh, Franck, il tend les bras vers le ciel, moi, j'essaie de viser les mains de Franck, pour le faire intégrer dans ses mains, et puis Franck, il faut pas qu'il tombe à l'eau. Avec un équipier et... qui tient derrière. Et voilà, fois, on tient Franck pour qu'il tombe à l'eau, pour qu'il récupère le drone. Et puis entre les deux, qu'est-ce qui se passe ben, Il faut qu'on se cache, euh, Franck et moi, parce qu'on est derrière la caméra, et euh, on est dans le bateau. Donc on se fait euh, balancer euh, dans le carré, euh, <laughs> et on crie à Maël, euh, du coup, les instructions pour euh, lui dire qu'est-ce qu'il faut faire avec les équipiers, parce qu'on a le document en main. Ça. Euh, voilà pour cette euh, petite histoire et la galerie. Allez, ben, on va passer à l'exemple, puis après je vais laisser la parole à Maëlle. Moi, je vais m'effacer. Donc, on vous a pris une des vidéos les plus regardées aujourd'hui, qui sont les techniques d'appareillage Boraké. Euh, on va la lancer, on va la regarder entièrement. Elle fait un peu plus de 5 minutes, mais vous allez comprendre pourquoi on vous la fait regarder. Et euh, c'est parti. Bonjour, nous sommes maintenant prêts à partir, c'est-à-dire à appareiller. Mais comment faire lorsque du vent ou du courant pousse notre bateau et l'empêche de partir Il est bien sûr hors de question de pousser le bateau avec la gaffe ou encore moins de frotter contre le quai ou d'autres navires. Voyons ensemble comment utiliser nos amarres pour contrer les obstacles et anticiper la dérive lorsque nous sommes amarrés contre le quai. Allez, c'est parti Afin de bien comprendre les différentes manœuvres que nous allons aborder, il est important de faire un petit rappel sur la nomenclature de l'amarrage. Une haussière est un bout permettant de remorquer ou d'amarrer un bateau. À partir du moment où elle est utilisée pour l'amarrage, elle devient une amarre. Une fois accrochée sur les taquets, les amarres peuvent avoir différentes fonctions. La pointe avant, Part de l'avant du bateau pour aller vers l'avant sur le quai. La pointe arrière part de l'arrière du bateau pour aller vers l'arrière sur le quai. Ensemble, les pointes évitent au bateau de trop s'écarter. Les gardes, quant à elles, évitent au bateau d'avancer et de reculer, mais elles permettent aussi de l'orienter par rapport au quai. Elles sont frappées sur le quai vers le milieu du navire la garde avant part de la proue pour aller vers l'arrière on l'appelle aussi la garde descendante la garde arrière part de la poupe pour aller vers l'avant on l'appelle aussi la garde montante quand nous sommes boraquets pour appareiller on appelle aussi cela être en longside découpons alors quatre secteurs de possibilités de vent ou de courant par rapport au bateau Voyons pour chacun comment partir en pivotant sur place. Dans le secteur 1, le vent pousse l'avant du bateau du quai, mais le fait aussi reculer. Nous doublons alors la pointe avant et la pointe arrière et retirons les gardes. La première amarre à larguer sera la pointe arrière. L'arrière du bateau s'écarte alors du quai. Lorsqu'il est assez loin, nous larguons la pointe avant et partons en marche arrière. Dans le secteur 2, le vent pousse l'arrière du bateau du quai, mais le fait aussi avancer. Nous doublons alors la pointe arrière et la pointe avant et retirons les gardes. La première amarre à larguer sera la pointe avant. L'avant du bateau s'écarte alors du quai. Lorsqu'il est assez loin, nous larguons la pointe arrière. Et partons en marche avant. Pour l'instant, aucune difficulté. Mais que se passe-t-il lorsque le vent nous pousse contre le quai Eh bien, nous allons utiliser nos gardes pour en faire des bras de levier et nous aider du moteur pour orienter le bateau. Dans le secteur 3, le vent pousse l'avant du bateau contre le quai et le fait reculer. Nous doublons alors la pointe avant. Et la garde arrière bas et retirons pointe arrière et garde avant. Nous protégeons du quai à l'aide d'une bouée défense le point le plus en arrière du bateau. Le barreur embraye alors la marche arrière en gardant la barre droite. La première amarre à larguer est la pointe avant. L'arrière se rapproche du quai, c'est notre point de pivot. Lorsqu'il estime s'être suffisamment écarté du quai, le barreur se met au point mort, puis part en marche avant. L'équipier largue alors la garde arrière dès qu'elle mollit. Dans le secteur 4, le vent pousse l'arrière du bateau contre le quai et le fait avancer. Nous doublons alors la pointe arrière et la garde avant bas-bord et retirons pointe avant et garde arrière. Nous protégeons du quai à l'aide d'un pare-battage, le point le plus en avant du bateau. Le barreur embraye alors la marche avant et indique au bateau de tourner du côté opposé au quai, ici vers tribord. La première amarre à larguer est la pointe arrière. Pour faire pivoter le bateau, le barreur inverse la barre et le dirige vers le quai. L'avant se rapproche alors du quai, c'est notre point de pivot. Lorsque le barreur estime s'être suffisamment écarté, il met point mort, remet la barre au centre, puis part en marche arrière. L'équipier largue alors la garde avant dès qu'elle mouille. Voilà, ces différents départs sont très importants à connaître. Pour partir en toute sécurité. Évidemment, okay. ils sont à adapter à la place que vous aurez dans les ports. Ces manœuvres ah. bord à quai sont particulièrement utiles à connaître dire, car on, on les retrouve sur les quais d'accueil <laughs> ou encore les quais de gasoil. Voyons maintenant les manœuvres arrière à quai qu'on appelle aussi les manœuvres cul à quai. Allez, à tout de suite Ok, tiens. On entend. On, va. on entend. il bon, y, y en a okay. beaucoup, hein, mais. Hop, on va faire le rapprochement. Alors on vient de voir une vidéo relativement globale qui explique les différentes possibilités de départ d'un quai. Quand on est à Marie-Borinquai, on a donc un départ d'un quai, on appelle ça un appareillage. Euh, cette vidéo, elle s'inscrit dans, dans le niveau 2 de la Fédération française de voile, qui est, on va dire, euh, la progression. Euh, en, en, progression et débutant quoi, pour quelqu'un qui aurait passé une, une à deux semaines de, de stage de voile. Euh, voilà Sur les niveaux suivants, on va avoir ces mêmes manœuvres, surtout les deux dernières que vous avez vues qui sont un petit peu plus complexes avec le vent qui pousse contre le quai, qui vont être d'autant plus euh, détaillées. On va vraiment aller dans le détail en posant d'autres problématiques, d'autres bateaux, des places plus restreintes ou euh, des équipages de plus en plus réduits. C'est-à-dire la finalité, euh, c'est de pouvoir cumuler un petit peu toutes ces différentes tâches à faire pour pouvoir le faire à deux, voir tout ça. Donc ça, c'est des exemples qui viennent après dans la continuité de cette première vidéo, qui est un peu une mise en bouche, on va dire, une, une vue générale de, des différentes manœuvres possibles quand on est à marée bord à quai, et qu'on veut en, en sortir. Euh, ce que vient de vous distribuer Franck, donc, ce sont des fiches de synthèse. Alors pour beaucoup de vidéos euh, que vous retrouvez sur la plateforme, euh, on a des fiches de synthèse qui se font accoler à, à ces vidéos et qui vont fonctionner en fait en, ensemble. Hum. C'est des résumés, un condensé de ce que vous avez pu voir à l'instant et qui va reprendre donc les points importants, les repères et les tâches à accomplir lors de la manœuvre. Vous remarquerez aussi qu'il y a des codes couleurs alors ces codes couleurs, en fait, vous avez pu remarquer aussi sur la vidéo, on a des magnifiques casquettes de couleurs, <laughs> euh, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Hein, et, euh, et donc, ces, ces couleurs, elles nous permettent en fait de reprendre euh, des chronologies, donc euh, comme ce que vous voyez ici. Donc un équipier qui est à la pointe avant, en jaune ou en vert, etc. On va retrouver exactement la même chose pour des manœuvres voiles. Donc là, vous avez des manœuvres relativement. Euh, courte, euh, simple, parce qu'encore une fois, c'est une vue générale. Quand on commence à, à faire des virements de bord de manière beaucoup plus performante, on va avoir une quantité de choses à faire dans un temps très très restreint, et ça va permettre en fait de limiter un peu la, la place qu'on va écrire sur les fiches de synthèse, de, de, de faire ces codes couleurs pour dire bah, l'équipier à la voile d'avant fait ça, puis la personne à la grande voile fait ça, etc., etc., avec des repères, euh, des repères attribués à, à chaque action. Euh, vous verrez aussi qu'il y a un grand carré à côté parce que ben, la voile, on est en milieu ouvert et du coup, chaque manœuvre est différente en fonction du bateau, en fonction de l'équipage, en fonction de l'environnement. Donc du coup, ça laisse, ça laisse beaucoup de, de possibilités qui vont parfois être un petit peu différentes que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, euh, donc ça justement c'est pour laisser la place à, à un plus, on va dire, si on a le pas d'hélice très important d'un côté ou de l'autre, le bateau a plus tendance à pivoter, il y a du courant, ou on est dans une place très restreinte. Alors on va pouvoir marquer un petit peu tout ça. Et c'est aussi surtout pour que les écoles de voile et les coachs euh, qui travaillent euh, donc, euh, dans le réseau de la Fédération française de voile avec, avec qui on travaille puissent aussi... Euh, utiliser ce support pédagogique pour y amener leurs leur, euh, leur particularités leurs billes à eux qui vont faire que euh, bah, du coup euh, les, les personnes préfèrent apprendre avec un tel plutôt qu'un tel parce qu'ils vont avoir les petits détails en plus euh, voilà qui sont créés par l'expérience de chacun euh, voilà ces fiches de synthèse on en a en tout plus de 150 il y en a énormément il y en a sur euh, euh, pour faciliter un calcul de marée pour euh, faire des checklists avant départ donc euh, mm. Des vérifications, par exemple, comment on va vérifier un bateau lorsqu'on va le louer, comment on va le prendre en main, etc. Euh, des fiches de synthèse qui vont reprendre des chronologies de sécurité, comme la récupération d'un homme à la mer ou des choses comme ça. Euh, une préparation de navigation, etc., etc. Et bien sûr, des manœuvres et de la conduite. Voilà. Donc, euh, sur les manœuvres, d'ailleurs, on est parti d'une espèce de routine où on va toujours travailler un peu de cette manière-là en se disant quelle est la phase de préparation, qu'est-ce que je peux faire avant la manœuvre pour vraiment tout mettre, tout mettre à plat qu'est-ce que je peux faire préparer mes winches etc mes mes boots, mes cordages euh, en prévision de ce qui va arriver la phase de réalisation donc là qui doit être le plus court possible parce que ça ça nous permet ensuite de passer sur de la performance beaucoup plus facilement donc la phase de réalisation et enfin la phase de finalisation qui elle est plutôt l'après manœuvre donc tout ce qui est rangement etc reprendre la route régler les voiles etc 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 donc vous voyez qu'il y a une quantité de possibilités sur ces fiches de synthèse et c'est un complément des vidéos qui permet surtout aux gens qui vont aller sur la plateforme de pouvoir se constituer un book et de partir ensuite en mer avec ce condensé d'informations pour le mettre en pratique. Voilà. Moi c'est comme ça que je travaille depuis des années et ça permet en fait aux gens d'être beaucoup plus rapidement autonomes parce que dès qu'il va y avoir une manœuvre réussie ou pas, eh bien, il y a tout de suite, un... on va reprendre la manœuvre, quels sont les... Quels sont les critères de réussite Qu'est-ce que j'ai qu que oublié Qu'est-ce que, qu que j'aurais pu faire en plus Etc. etc. Voilà. Et après, c'est évolutif, évidemment, hein, ces fiches de synthèse. Donc, comme je vous le disais, pour, là c'est relativement général sur des manœuvres, sur, sur certaines manœuvres. Quand le vent pousse contre le quai, on va rentrer beaucoup plus dans le détail par la suite, etc., etc. Donc c'est évolutif en fonction de la progression. de détail, on était au, à Kernevel avec euh, euh, sur le lagoon et on a on en sur le, le ponton et une dame sort de son bateau avec ses fiches de synthèse, euh, disant on a toutes vos fiches de synthèse euh, et c'est la première fois que je navigue avec mon mari euh, où tout se passe bien et en fait on voit bien aussi il n'y a pas que les écoles, il y a aussi les pratiquants, ceux qui sont déjà hein, sur un bateau, euh, femmes ou hommes et euh, bah, ils y trouvent euh, source et ressources nécessaires pour améliorer ce qu'ils font et euh, vivre leur nav demain de manière beaucoup plus plaisante. Mais voilà, donc l'anecdote, c'est qu'on commence à rencontrer des gens qui ont ça dans leur bateau, et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Voilà, donc euh, on va passer aux, aux questions. Vous avez vu, c'est assez court hein, comme intervention, mais il n'y a pas, pas beaucoup de monde. Alors est-ce qu'on peut récupérer des, des questions euh, du web ou, euh, ou pas Oui récupérer toutes les questions, est-ce que déjà il y a des questions Merci déjà ouais, tous oui. les trois. Est-ce que déjà il y a des questions ici Parce que moi j'en ai une pour commencer, en tout cas pour casser la glace. Euh, il y a souvent des retours sur euh, chacun a sa vision de ce qui pense être la meilleure solution. Et tu dois avoir toi, Maël, pas mal de challenges, en tout cas pas mal de retours. Ben, moi j'aurais plutôt fait comme ça ou, ou j'aurais plutôt envisagé ça d'une façon différente. Est-ce que du coup tu retouches les vidéos ou est-ce que derrière tu fais un SAV et du coup tu viens répondre à tous ces gens qui se posent des questions sur, c'est peut-être pas la meilleure ouais. façon que tu as et je te conseille de faire plutôt comme ça. Ouais. Alors, moi, toutes les manœuvres qu'on voit ici, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Hein. Moi, je n'ai pas, <laughs> pas, voilà, pas fait ça. Euh, C'est des manœuvres d'école de voile qu'on pratique euh, en, tant que, euh, en tant que professionnel de la pédagogie sportive, euh, de la voile croisière. Donc, on va retrouver ces mêmes chronologies euh, auprès d'écoles de voile très connues, les gagnants, le massif, etc. Mais aussi auprès de coachs indépendants et skippers indépendants. Euh, donc, ça reste euh, très général, très axé sur la sécurité. C'est sûr que, par exemple, on se pose la question lorsqu'on lorsqu va faire, par exemple, un premier virement de bord. Un premier virement de bord, ça va être très complexe de donner tout de suite cette masse d'informations. Euh, donc, on va, je vais en choisir quelques-unes qui, pour moi, sont celles, euh, sont celles qui sont le plus axées sur la sécurité et sur euh, ce qui va permettre de réussir la manœuvre. Euh, et d'ailleurs, je ne vais pas le choisir tout seul. C'est après discussion, après regarder des multitudes de, de chronologies différentes sur ce qui se fait, sur plein d'autres personnes qui ont écrit noir sur blanc voilà des chronologies pour essayer de les, les synthétiser euh, et du coup je vais plutôt choisir de découper pour arriver à la performance bah, je vais me dire bon bah, cette vidéo là ça va être plutôt accès débutant et puis on va peut-être faire une intermédiaire et puis une finalité où on va rajouter petit à petit des informations euh, après sur euh, donc ça c'est le process sur euh, les choix euh, pédagogiques on peut se poser la question, par exemple, là, ça, ça s'est posé sur un affalage de spi. Il y a dix manières différentes d'affaler un spi, vous savez, ces grosses voiles d'avant colorées. Euh, il y a plein plein de manières différentes. Euh, je vais simplement choisir de faire euh, la manœuvre école de voile classique, même si ce n'est pas la plus appropriée par rapport aux conditions qu'on va avoir par rapport au nombre d'équipiers ou au bateau, et ben on va essayer de se mettre en situation et de vraiment jouer le jeu de, de la manœuvre école de voile. Voilà. Et pour com pour compléter, c'est euh, en fait ce qu'on fait sur la partie euh, on va pas faire du SAV entre guillemets changement de la vidéo. Par contre, on va sur le forum expliquer euh, ce que vient de dire Maël et de dire en effet ou pas. Euh, mais Maël va jouer euh, ce, ce complément d'information directement dans le forum. Mais on ne modifie pas les vidéos parce que ça, ça, ça serait, ça serait l'enfer. Mais par contre, on respecte euh, à la lettre, comme vient de dire Maël, l'ensemble des, euh, des process entre guillemets euh, qui sont euh, derrière euh, l'ensemble des manœuvres. Et euh... par contre, c'est une question super pertinente parce que du coup, euh, moi, c'est tout le travail d'écriture que je fais en amont et qui me prend beaucoup beaucoup de temps. Euh, on, on peut vulgariser, mais, mais on n'a pas le droit d'être faux. Donc, il faut vraiment rester, euh, rester là-dessus. Et, euh, et où est-ce que je place le curseur de la vulgarisation pour faire une, une manœuvre qui est entendable, euh, où il n'y a pas trop trop d'infos non plus, hein, en tout cas pour les manœuvres plutôt axées débutantes. Et euh, évidemment, il y a plein de manières de faire. Donc, euh, essayer de choisir, voilà, la manœuvre la plus carrée, la plus aboutie. Euh, et, et donc, en fait, on passe aussi notre temps à modifier le bateau, euh, c'est-à-dire des fois pour que ça aille. Eh ben, je vais modifier le piano parce que euh, ben, sur une prise de riz, par exemple, euh, bah sur, le, sur le script, on n'a pas dit qu'on allait qu 15 fois à l'avant pour reprendre la balancine ou machin. Donc, on va faire des modifications pour vraiment mettre le bateau en sécu et pouvoir appliquer la chronologie basique. Mais évidemment, sur chaque bateau sera différent, chaque manœuvre sera différente. Quand il y a des questions un peu particulières sur les chronologies, euh, moi, je fais le choix d'expliquer, le choix pédagogique simplement. Euh, ça s'est passé par exemple euh, je pense à un exemple qui est pas mal qui est euh, pourquoi à un moment j'explique qu'on peut reprendre la voile d'avant le génois l'enrouler avec euh, la manivelle de winch en mode rapide et ben, parce qu'un bateau passé 12 mètres ça devient très compliqué de le faire donc c'est juste euh, peut-être qu'il faudrait pas le dire mais moi je préfère donner les différentes possibilités et dire euh, voilà on, ça c'est les différentes possibilités maintenant chacun en fait, en fait un petit peu ce qu'il veut et euh, va aller le tester sur l'eau surtout il faut aller le faire pour faire son choix quoi et ça, ça ne se fait pas sans pratique. Voilà. Euh, vous avez des questions là Ici Vas-y, Emily. Vos vidéos avec des équipiers à bord, c'est des équipiers qui sont débutants, qui connaissent la manœuvre ou vous leur expliquez en direct C'est bah, bon, ouais. des débutants, la plupart mmh. du temps. Euh, le témoin numéro un est là. C'était la première fois qu'il montait mmh. sur un bateau, Jade. Euh, et d'ailleurs, plus ils sont débutants et mieux c'est pour nous. Euh, puisqu'ils n'ont pas de mauvaises pratiques, entre guillemets, ou de mauvaises habitudes. Euh, et donc, euh, sur le bateau, ce qui se passe, c'est qu'il y a une phase pédagogique directe, faite par Maël, qui va décrire le geste parfait à réaliser, par exemple, pour Jade sur les manœuvres qu'on a faites avec lui. Euh, et puis, derrière, euh, nous, on va checker avec Hugo si ce, ce geste est bien fait. Donc, Maël le forme, il applique. On tourne, si c'est bon, je dis go, si c'est pas bon, on fait pas. Mais c'est tous la plupart des débutants. Alors ils ont tous, par contre, une passion évidemment pour, pour la voile, donc ils sont bénévoles. Hein, J'insiste beaucoup là-dessus, sont bénévoles. Et quand ils repartent, ils disent on a kiffé. Et quand est-ce qu'on recommence voilà. Donc <laughs> parce que c'est vraiment une sacrée expérience. Et puis ça les fait progresser aussi. Hein. Donc du coup, euh, c'est pour ça que c'est on parlait hein, de, de, de ce truc un peu miracle comme je dis, euh, il va y avoir un miracle d'équipe qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, la dernière fois, quelqu'un est venu de de Belgique, de château, Charleroi, Charleroi pardon, comme ça. Voilà. il a fait, l'a pris sa voiture, j'arrive, il est resté avec nous euh, cinq jours, six jours, euh, il a kiffé. Voilà, on le connaissait pas, euh... voilà. donc il y a des choses comme ça, magique qui se passent et, euh, et on trouve ça, génial. Mais hein. des débutants, la plupart. Est-ce que euh, alors bravo pour ce que vous faites? Euh, forcément, euh, on sent euh, cette atmosphère assez euh, sympathique au con, enfin, comme on peut le retrouver aussi dans, ce, dans cet univers-là. Est-ce que vous avez une communauté qui s'est créée autour de tout ça? Alors euh, sur, le, dans la, sur la plateforme, oui. Alors, ils restent tous très discrets, puisque du coup euh, euh, il va y avoir quelques commentaires, comme l'a évoqué Maël, d'ordre, euh, je n'ai pas très bien compris, mais ils sont très hésitants. Euh, et après sur sur Insta, sur les autres réseaux, on a des communautés. Mais comme on est un peu dans la phase pédago, on reste très humble hein, en fait quand on apprend. Hein, vous savez déclencher euh, la phase d'apprentissage euh, chez quelqu'un, c'est compliqué en fait. Hein. Ça veut dire que je déclare que j'ai envie d'apprendre, ou je déclare que je ne sais pas encore tout. Et donc du coup, on est on est dans une communauté euh, très. Euh... Enfin, par contre, ce qui est sûr, hein, là, je vais répondre à ça. On a une communauté euh, de gens qui nous disent, euh, et c'est pas du tout pour nous flatter ou gonfler les filles. On reçoit toutes les semaines vraiment toutes les semaines des félicitations de ce qu'on a fait c'est la première fois que je comprends c'est la première fois que je vois de façon globale ce qu'il faut faire et, euh, et moi j'étais le premier à le faire j'avais j'ai tous les bouquins qui existent euh, je les ai tous lus au moins deux ou trois fois franchement à euh, noter avec des petites fiches et tout et euh, j'ai toujours rêvé de ça en fait donc euh, voilà, donc c'est un rêve qui se réalise. Mais, euh, mais voilà, on a par contre une communauté de gens fans de ce que nous faisons et ils attendent déjà euh, les nouvelles vidéos euh, pour se réabonner ou euh, continuer la, leur abonnement. Mais c'est pas une communauté qui interagit entre elles sur euh, ou qui Pas, amènerait pas suffisamment pour non nous. Encore. Donc Jade, qui est là, qui va être le responsable pédago, va, va animer ça. Mais euh, on pense qu'il y, y a vraiment un truc à, à, à faire. Et euh, là, on commence à avoir des échanges, mais ils, ils restent très timides. Donc on n'est peut-être pas assez… Euh, euh, comment dirais-je, proactif là-dessus, on va, on va changer un peu de posture euh, mais il faut qu'on qu qu entame ça ouais. euh, Tu peux peut-être parler du club et des webinaires qu'on va faire et tout ça, de l'animation oui, oui, de la, la communauté ça c'est l'avenir, donc euh... On est en train de changer les choses justement pour la partie partage. On va créer un club vraiment à partir du mois de décembre. Là. Donc le club, c'est des avantages évidemment sur les abonnements, mais pas que. En fait, on va on va faire on va créer des webinaires un peu comme des séries webinaires, un peu ce qu'on fait là aujourd'hui, là, mais avec des VIP, donc des gens qui ont de l'expertise euh, et euh, à partager. Euh, je vous donne un exemple. Imaginons, euh, ouais, je suis, euh, nous sommes nous euh, au Kiss à port la forêt euh, le parrain de finistère mer et euh, Jean Le Cam. Et voilà, imaginez que Jean euh, vienne euh, parler même dix minutes euh, en webinaire pour parler euh, euh, de ce que c'est que la course au large. Je pense qu'on va, on va créer de, de, des émules. Et donc du coup, l'idée c'est ça, c'est créer des, euh, une communauté toujours. Enfin, euh, notre live motif, c'est le contenu. On veut apporter des choses en fait. Donc euh, Communauté, elle doit être euh, autour de ce contenu et de faire vivre euh, bah, justement ce que j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Euh, démocratiser la voile, c'est d'en parler aussi euh, déjà, de le vulgariser pour les niveaux euh, qui n'ont qui pas encore commencé euh, et puis d'aller aussi le plus haut possible pour des gens euh, qui naviguent déjà. Donc, vous voyez, par exemple, hier j'étais au téléphone avec un monsieur qui n'arrivait pas à, à faire fonctionner, euh, il partait de la Rochelle euh, et il partait aux Antilles euh, et il n'arrivait pas à faire fonctionner son appli euh, en mode offline. Donc il m'appelle tout ça, donc on règle le problème. Et elle me dit vous êtes génial parce que franchement euh, je vous appelle, vous m'appelez, on était dimanche. Hein. <laughs> voilà donc on, on a nous une volonté d'accompagner vraiment euh, les gens qui sont euh, parmi nous et avec toujours euh, cette idée de on, on est simple, on a le sourire et puis euh, voilà et on n'a euh, aucun problème, pas de SAV, pas de machin donc on est euh, super content. Donc on a un truc euh, qui tient la route. Mais pour la communauté on va on va se bouger un peu le derrière parce que c'est pas suffisant à mon avis. C'est bon pour tout le monde. Impeccable. Bah, je vous invite, on est en petit comité. Bah, déjà, merci beaucoup. Ça fait un an qu'on échange, Franck, ensemble. Ah, pardon, il y a encore une dernière question, mais en live. Tech. Alors, Brian. La ah, question du web Oui. Euh, j'ai une question. Il ouais, y en a, a d'autres, mais euh, on, y, on y répondra après. C'est euh, à quand le système embarqué pour nous assister à la manœuvre, comme en voiture, avec le ah. créneau automatique euh... Alors, là, j'ai... Maël, tu as la réponse Moi, je n'ai pas la réponse. Non, mais... je te laisse développer ça. Hein. <laughs> à toi de lever les fonds. Et de... <laughs> eh oui, alors, c'est le rêve de beaucoup ouais. de monde, mais, mais finalement, la voile, c'est quand même une partie. Euh, je pense que, pour ceux qui pratiquent, en tout cas, euh, si tout, tout est automatique, alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Et Maël a vu l'évolution euh, de ces changements sur le bateau. Personnellement, je ne suis pas forcément le pour le tout automatique. La voile, c'est un, un moment. Euh, d'expérience, euh, euh, qu'on met couche après couche, etc. Et s'il faut appuyer sur un bouton pour faire un virement de bord, euh, le virement de bord a moins de saveur, je trouve. Maintenant, après, euh, je ne suis pas contre. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir des facilités euh, pour naviguer. Les instruments à bord sont là pour ça. Enfin, voilà. Donc, mais Appuyez sur le bouton pour faire un virement de bord. Mais quoique, euh, ça doit déjà exister. Non je sais pas. <laughs> ça existe déjà mmh. Mmh côté automatiquement. ah oui ah oui alors c'est pas très répondu parce que j'ai pas encore vu alors les... ah oui voilà, c'est une question d'argent voilà donc euh... oui oui ça on a, ça, pas... ça. Ouais, les joystick ouais. ça on en a vu euh, des joysticks là c'est vrai que c'est assez surprenant oui mmh. ouais, c'est mmh. des mmh. options qu'on peut mettre' L'emballage alors... qui tourne qui permet non. de venir se déplacer avec un Hum. Alors, nous, on défend euh, la pratique plutôt commune, euh, dans le sens où c'est 90%. Ah, il y a une question yeah, là-haut. Uh, yeah. euh, J'en ai dit. Euh, voilà, parce qu'on pense que la voile, déjà, il faut la démarrer là. Après, si on estime qu'après un certain temps, on veut avoir des facilités, ben voilà, mais on comprend ce qu'on fait et surtout les conséquences de ce qu'on ne ferait pas bien. Euh, bah, donc, pour moi, la voile, elle reste pour l'instant à, à ce niveau-là. Euh, mais bon après on s'est centré aussi sur, euh, sur euh, une généralité de pratique c'est à dire ouais. des gens qui vont louer euh, des monocoques l'été c'est à peu près, voilà, on, on a choisi de partir sur un Oceanis 43 parce que c'est le genre de bateau typiquement qui est loué par la plupart des personnes euh, on l'a fait de la même manière pour les catamarans etc après euh, c'est sûr que sur un voilier de 24 mètres à plusieurs millions d'euros euh, il y a de plus en plus de matériel et facilitant ou pas il y a aussi souvent un équipage mais euh, là, on sort un petit peu du contexte d'accompagnement à la pratique qu'on qu qu a, qu a choisi de, de créer. Quoi. Voilà. Après, le matériel, c'est sûr qu'il évolue très très vite euh, et qu'il va falloir petit à petit qu'on bah, qu amène, en fonction de l'évolution, euh, qu'on amène aussi de la pédagogie autour de ça. Ouais. C'est ce qu'on commence à faire aussi sur euh, la navigation. Donc, euh, par exemple, euh, comment construire une navigation euh, bah, sur carte, c'est une chose, mais aujourd'hui. Euh, la plupart, même quasiment toutes les personnes, vont construire une navigation sur, sur des logiciels, des applications, etc. Par la question. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je suis arrivé un petit peu tard, désolé. Et du coup, j'ai une question qui est sur votre relation avec des écoles physiques. Aujourd'hui, vous proposez une solution de formation en ligne. Où à un moment donné, je pense que tout marin souhaite passer à bord. Et ne serait-ce que dans la pratique, l'apprentissage 100%. En vidéo, je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de pratiquer. Pardon. Euh, Est-ce que vous avez du coup oui. des, des passerelles vers des Alors, écoles comme le, le, on, la Fédération Française, oui. les Glénans ou, euh... On l'a dit en introduction, donc peut-être euh, tu as loupé la phase introductive. Mais c'est la première chose qu'on dit, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, ça, ça, ça a du sens que si on met en pratique. Donc, c'est pour ça que qui se charge de la partie théorie, okay, puisque c'est de la théorie, elle l'air de rien, même si c'est tourné en citation réelle. Et on a des partenariats avec les écoles euh, donc, de la FFV euh, donc on monte en puissance parce qu'avec la crise sanitaire ça a un peu freiné euh, euh, les, les partenariats mais là ça reprend et pour vous donner un exemple on est en train de réfléchir avec euh, la massive voile de, de, voilà, de on va travailler ensemble donc, voilà. donc nous notre slogan, euh, maintenant je vais te le dire donc c'est théorie plus pratique égale compétence au carré mais on voit bien que l'un ne va pas sans l'autre, euh, enfin pour nous en tout cas et on mixe aussi l'avant, le pendant et l'après euh, pour que les gens puissent euh, se préparer, réaliser euh, et ensuite, euh, bah, réaliser, donc mettre en pratique, et ensuite bah, réaliser leur rêve. Euh. Et du coup, ça se traduit pas que de formations qui vont être à la fois en ligne et physique euh... Alors non, on sépare vraiment les deux. Par contre, là, ce qu'on va faire, par exemple, avec la Massif, on est en train d'y réfléchir, c'est que je disais avant, pendant et après. Donc par exemple, imagine, tu, on va faire un stage euh, qui va s'occuper de préparer euh, sur le niveau 1, 2 ou 3 ou 4 euh, le stagiaire, d'accord, avec euh, un certain nombre de vidéos. Euh, il met en pratique, mais toujours avec le skipper en pédagogie, avec nos ressources, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et ensuite, le stage est fini. Qu'est-ce qui se passe après Et donc, du coup, c'est renforcer les compétences par revisionner ce que j'ai fait. J'ai compris, OK, je stabilise. Voilà. Donc, nous, on est vraiment là-dedans et, euh, et on le défend depuis le début. Euh, et on pense que c'est euh, une méthode, hein. ce n'est pas la méthode, mais c'est encore une méthode qui fonctionne bien. On l'a testée, retestée. Euh, et donc, on sait que c'est. Euh, voilà. On donne même des conseils pédagogiques au niveau théorique euh, pour bien mémoriser ce qu'on qu propose. En fait, il faut voir ça comme un support pédagogique qui peut être une aide pour les écoles, pour les skippers, pour euh, leur débriefing. Donc, on a vu une manœuvre et puis bah, voilà là, un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de faire. Euh, donc, nous, on propose il faut voir ça un petit peu comme un livre sous format vidéo, comme ça existe déjà d'ailleurs dans, dans, dans plein de formats différents. Euh, donc c'est une aide pour le skipper, le coach, euh, pour les écoles si besoin. On travaille là on, va, on est en train de voir pour travailler avec la Massif. On travaille déjà avec une école mmh. en, en catamaran qui, euh, qui ça permet en fait à la personne de déjà voir un petit peu ce qu'elle va ce qu'elle va vivre sur le bateau, les différentes manœuvres, etc. Et puis surtout de repartir avec un, un bagage. Euh, moi dans mes expériences de travail j'ai souvent remarqué que là, ça allait beaucoup plus beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Quand les personnes notaient les chronologies, alors du coup je me mettais à les écrire sur tableau avec pareil ces codes couleurs, etc. Mais du coup les gens le gardent et puis après vont le tester. Ils vont avoir tendance à le tester beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont la sécurité en fait d'avoir déjà euh, ce, ce petit bouc constitué et des aides, un maximum d'aides. une checklist avant départ, pas oublier les hublots, le gaz, machin, etc. Tout ça, c'est du détail, mais pour quelqu'un qui euh, va se lancer sur sa première location, ça fait une quantité d'informations euh, ouais, énorme. Donc du coup d'avoir des petites aides comme ça, c'est pratique. Alors c'est pratique ben, pour, euh, pour le particulier qui va qui va aller pratiquer, mais aussi pour, euh, ben, pour les écoles qui vont pouvoir leur proposer en fait directement euh, ce pack. Ouais, ouais. c'est ouais. ce que c'est ce que les écoles nous disent. Hein. D'ailleurs, euh, je, je prends l'exemple euh, voilà, de la Massif mais ils ont dit voilà on a rêvé d'avoir ça et euh, on n'a ni eu le temps euh, ni les moyens de le faire parce qu'ils étaient centrés euh, sur les stages pratiques qui qui, qui, qui est leur métier hein, finalement. Donc. Voilà, donc nous, on est une passerelle entre ces, ces deux mondes, euh, entre guillemets. Euh, et puis l'idée, je reviens sur la phrase, la phrase du début. L'idée, c'est nous, on veut soutenir la pratique à tout prix. Euh, donc, on, je, on parlait de démocratisation de la pratique, c'est ça. On, est, on veut être un des acteurs hein, qui, qui, qui participe à cela, et, euh, et on espère le faire et le faire bien. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on a mis tout notre cœur là dans, dans ce que vous voyez. Euh, c'est voilà, donc on a, on a cette conviction qu'on peut participer à ça. Merci, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont regardés aussi en live, du coup, sur les différents merci. réseaux de Tribord. Donc, ça fait un an déjà qu'on est en partenariat, ce que je disais avec Franck. On est très heureux aussi qu'on continue l'aventure dans cette optique commune de démocratiser ouais. la plaisance et de démocratiser la voile. Et je vous invite, du coup, à bah, continuer les échanges, en tout cas au Selling Lab pour notre part. On vous offre un verre juste au-dessus pour pouvoir euh, bah, continuer ces échanges. Merci à merci, merci à tout tout tous. vous. Merci à, à tous. Et, et, à euh, et à très vite. Au revoir. Merci.